This experience has also opened my eyes to how solutions to some of the most important issues we're facing today are really closer than we think. Sometimes we tend to overlook how much potential we ourselves have. How much change can we make? If we're ready to escape our comfort zones, try new things, and believe in ourselves and our work, we will know that we all have the power to make change happen in our own unique ways. And who knows? The solution to the problem that you're passionate about might just be in your backyard. Thank you. Thank you. Et c'est sous un tonnerre d'applaudissements que vous prenez place à bord de Canad'air saison 2, le balado du Canada en France. Je suis Marie Cousin de l'ambassade du Canada à Paris. Et pour ce premier épisode, je vous emmène à la rencontre de Nivatha Balendra. Nivatha, c'est cette jeune Canadienne de 19 ans que vous venez d'entendre recevoir un triomphe lors d'un TEDx à Montréal il y a quelques années. Si nous sommes prêts à sortir de notre zone de confort, à essayer de nouvelles choses, à croire en nous-mêmes et en notre travail, nous saurons que nous avons tous le pouvoir de faire changer les choses. Voilà le credo de Nivatha dans ce court extrait qui ouvre notre épisode. Nivatha n'a pas attendu le poids des ans pour mettre ses paroles en action. À 17 ans, la jeune scientifique anglophone, aujourd'hui fondatrice d'une start-up dans les technologies vertes, s'est engagée dans la lutte contre la pollution des eaux. Quant à la force du travail, pour celle qui est aussi une danseuse émérite de Bharata Natyam, l'une des plus anciennes et complexes danses traditionnelles indiennes, c'est une seconde nature. Nivatha est née à Montréal, où ses parents se sont installés il y a 30 ans, fuyant la guerre civile du Sri Lanka. Depuis son plus jeune âge, elle enchaîne autant les cours de danse que les concours de sciences. Résultat, elle est aujourd'hui professeure de danse indienne et PDG de son entreprise. Et si sa langue première est l'anglais, c'est en français qu'elle a accepté d'embarquer sur Canad'air, histoire de sortir de sa zone de confort. Accrochez votre ceinture, décollage immédiat. Déterminée et perfectionniste, la brillante chercheuse a grandi portée par la confiance de ses parents et un souffle de liberté. « Je n'avais aucune barrière », dit-elle, mais aussi par une foi inébranlable en la science et l'innovation pour résoudre les plus grands défis du monde d'aujourd'hui. Alors, lorsque le 6 juillet 2013, Nivatha, comme tout le Canada, se réveille sidérée par les images du centre ravagé de la ville de Lac-Mégantic au Québec, elle ne peut rester les bras croisés. Elle comprend très vite que la pollution aux hydrocarbures menace la rivière. 1h du matin, le train rempli de produits pétroliers déraille et explose en plein centre-ville de Lac-Mégantic. On a vu la première citerne penchée sur le côté avec les étincelles. Puis là j'ai crié « on court, on court, on court ». Là, on a couru pour... aller se cacher en arrière d'une petite ruelle pour, après un bâtiment. Je vais m'assurer que tout ce qui est disponible au fédéral soit mis au profit de la population. Mais présentement, c'est la réalité qui frappe à pleine face. Je vois une dame qui cherche chasseur et qui se demande si elle est en vie. J'ai pas de mots. L'accident ferroviaire causera la mort de 47 personnes. Près de 100 000 litres de pétrole seront déversés dans la rivière Chaudière à proximité. C'était comme un événement vraiment catastrophique et je pense que de mon côté, je n'aurais jamais imaginé qu'il y aurait un marée noire juste à côté de nous. Alors ça, c'était vraiment un aspect choquant. Mais je pense que de mon côté, je suis quelqu'un qui vraiment j'aime les sciences et j'ai trouvé que la plupart des problèmes qu'on a présentement dans le monde, ça peut être vraiment... on peut les résoudre avec la recherche, les sciences, l'innovation. Que fait alors Nivatha? Eh bien, en bonne scientifique, elle commence d'abord par s'interroger. En lisant ces nouvelles chaque jour, en fait, dans les médias, je me suis dit, ben c'est quoi la contamination pétrolière? C'était comme une question pour moi parce que juste à ce moment, je n'étais pas vraiment impliquée dans les sciences environnementales. Alors, quand j'ai fait ma propre recherche, j'ai vu que wow, OK, la contamination pétrolière, c'est vraiment une chose global, mondial, et c'est quelque chose qui arrive chaque jour des fois. On se souvient effectivement du naufrage de la Mokokadis en 1978, près des côtes bretonnes en France, considérée aujourd'hui encore comme l'une des pires catastrophes écologiques de l'histoire. Ou encore celui de l'Erika, en 1998. En 2010, l'explosion de la plateforme pétrolière Deepwater Horizon aux États-Unis fait 11 morts et entraîne le déversement de 4,9 millions de barils de brut dans le golfe du Mexique. Enfin, le 25 juillet dernier, le navire japonais Wakashio s'échoue le long des côtes de l'île Maurice, provoquant l'une des pires marées noires qu'ait connue l'océan Indien. Bref, comme le dit Nivatha, l'enjeu est bien global. Alors, elle poursuit ses recherches et découvre qu'à l'époque... À ce temps-là, donc en 2013, il n'y avait pas vraiment des solutions durables et écologiques pour traiter des contaminations ou des marées noires. Et c'est là qu'elle fait deux pas de côté et imprime sa marque. J'ai fait comme de la recherche vraiment préliminaire sur les solutions existantes pour vraiment traiter les contaminants. Et puis à ce temps-là, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de solutions dans le secteur de bioremédiation. La quoi? La bioremédiation. Vous aussi, vous vous demandez de quoi il s'agit? Eh bien, la bioremédiation, c'est l'ensemble des techniques utilisées pour dépolluer un site naturel qui font appel à des micro-organismes et non à des produits de synthèse. Autrement dit, la bioremédiation est une technique de dépollution respectueuse de l'environnement et de la santé humaine. Reprenons. Et vers quel micro-organisme va se pencher Nivatha? J'ai proposé donc un type de projet où on peut identifier peut-être des nouvelles espèces de microbes ici, à Montréal, qui peuvent contribuer à traiter des contaminants pétroliers. Alors, avec ça, j'ai développé comme une hypothèse, un type de modèle scientifique, un plan de recherche en fait, vraiment comme préliminaire. Et puis, je l'ai envoyé à peu près 60 professeurs à travers de Québec parce que, premièrement, pour lancer dans ce type de recherche, j'aurais besoin d'un laboratoire et comme j'avais 17 ans, j'avais pas accès vraiment à un laboratoire. Alors, c'était vraiment une étape importante. Alors, j'ai préparé cela et puis il y avait juste un professeur qui a vraiment accepté dans ce laboratoire et c'était à l'Institut national de la recherche scientifique ici à Laval. Une fois le labo et le mentor trouvés, Nivatha, toujours pleine de ressources, doit collecter sa matière première. Mais pas n'importe où. Un indice? Rappelez-vous des derniers mots prononcés par Nivatha pour conclure son TEDx. And who knows? The solution to the problem that you're passionate about might just be in your backyard. En fait, les microbes qu'on cherche sont trouvés dans les sols. Alors, la première étape pour moi, c'était de collecter des échantillons de sol. Alors, l'accès le plus facile, moi, j'étais dans mon jardin. Alors, j'ai partagé cela avec mes parents et puis on est allé chercher pour des échantillons dans notre propre jardin et puis après cela j'ai aussi collecté des échantillons au cours de la fleuve Saint-Laurent ici aussi parce que je voudrais avoir comme des échantillons qui sont quand même différents de l'un de l'autre pour vraiment avoir des cultures microbiennes, vraiment quand on dit le microbiome, pour avoir des différences entre les deux. Alors c'est ça, avec les échantillons, je suis retournée à la laboratoire et puis j'ai continué l'analyse en fait des cultures qui existent dans chacune des échantillons. Et là, bingo! Nivatha découvre dans ses échantillons montréalais un microbe inconnu qui produit naturellement des particules, les biosurfactants, capables de détruire les hydrocarbures. Autrement dit, Nivatha vient de découvrir un nouveau microbe mangeur de pétrole. C'était vraiment une surprise et vraiment c'était fort intéressant pour moi aussi parce que tout au long de ça, il n'y avait vraiment pas comme une garantie que ça va vraiment fonctionner ou n'importe quoi. Pour moi, c'était vraiment juste le fun. Et avec cela, je pense que c'était vraiment super qu'on a trouvé des espèces potentiellement nouvelles qui peuvent être impliquées dans le traitement des marées noires ou des autres contaminants. Ça n'aurait été pas possible sans l'aide de mon mentor qui m'a acceptée dans ce laboratoire. Ça, c'est vraiment une étape importante pour moi parce que pour faire des expériences de microbiologie et aussi d'avoir ce type de mentorat pour vraiment développer les recherches. Oui, j'ai préparé un plan initial, mais pour vraiment développer cela, pour vraiment faire les analyses, j'ai travaillé avec le professeur et ses étudiantes de doctorat pour vraiment apprendre en plus. Ce microbe mangeur de pétrole va ouvrir à Nivatha les portes des conférences mondiales comme le Forum économique mondial et lui donner accès aux experts. J'ai apprécié vraiment les opportunités que les gens m'ont données avec ce projet-là. Et puis, j'ai eu la chance de présenter la recherche avec des experts dans l'industrie, par exemple, dans l'industrie pétrolière même, et d'avoir leurs conseils et leur soutien vers le projet. Ça m'a indiqué vraiment que c'est une solution importante et c'est eux vraiment qui m'ont encouragée à continuer de développer ces recherches et qui m'ont encouragée à développer ces recherches à une solution commerciale. Je me dis que donc il y a vraiment un potentiel là et pour moi, j'étais toujours motivée de trouver des solutions à base scientifique en utilisant l'innovation. Pas juste pour la recherche, mais en fait de transitionner la recherche à des solutions qu'on peut utiliser dans notre société. Et pour moi, je pense que la motivation primaire, c'est vraiment de développer des solutions que les gens peuvent utiliser. Et ça, c'est le cœur battant de Dispersa, la start-up de technologie verte que Nivatha a créée en 2019. Alors, chez Dispersa, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise les microbes. Alors, on utilise les principes de fermentation pour développer des alternatives qui sont complètement naturelles, biodégradables et abordables, qui peuvent remplacer les ingrédients synthétiques, en fait, comme les surfactants qu'ils utilisent dans les produits de nettoyage. Pour passer du stade de projet de recherche à celui de l'entreprise, Nivatha va bénéficier en 2019 du programme Women in Clean Tech, subventionné par le gouvernement du Canada et par Mars Discovery District, l'un des plus gros incubateurs de start-up du Canada. C'était vraiment un soutien incroyable et important parce que, donc, avec ce programme-là, on est 6 finalistes, donc, des 6 PDG. On a notre propre entreprise en technologie propre, chacune dans divers domaines. Et avec ce programme-là, ça nous a vraiment aidé à commencer, à accélérer et développer nos technologies jusqu'à commercialisation. C'est ça le but du programme. Avec le soutien qu'on a besoin en tant que développement d'affaires, le market research, par exemple, à l'accès au laboratoire fédéral aussi. C'est vraiment un programme qui nous a aidés à développer Dispersa. Et comme elle me parlait de ce programme consacré spécifiquement aux femmes, j'ai eu envie de lui demander si elle, Nivatha, n'avait jamais douté de sa vocation de scientifique. C'est normal d'avoir des doutes. Et si je voudrais dire, il y a des recherches qui montrent que c'est entre, je pense, l'âge de peut-être 11 ans à 14 ans, qui est vraiment important pour les filles, où elles décident est-ce que les sciences sont vraiment pour eux ou non. Puis les professeurs, les enseignants sont importants dans les écoles pour vraiment encourager les filles qu'ils peuvent même devenir des scientifiques extraordinaires, des PDG, n'importe quel domaine qu'ils voulaient vraiment poursuivre. À chaque fois que j'ai eu ce doute-là, j'ai pensé aux filles dans le futur. Donc, si je ne continue pas cela, si je ne prends pas le premier pas, ça va rester comme ça pour les générations à venir aussi. Alors, je voudrais faire ma part possible de contribuer à le développement des futurs scientifiques qui sont des femmes. Et je pense que cela, c'est contribué aussi par le fait que mes parents m'ont soutenu incroyablement. Alors, je n'avais pas vraiment une barrière personnellement où je croyais que non, je ne peux pas être ça et ça. Si je voudrais devenir quelque chose un jour, je pourrais le faire si je travaille fort. Pour Nivatha, la famille a joué un rôle essentiel dans son parcours. Alors, lorsque je lui demande, comme à tous les invités de Canad'air, de me citer un ou une Canadienne qui l'inspire, la réponse fuse. C'est ma mère, c'est sûr. C'est ma mère qui est mon héros personnel. Elle est une femme qui a consacré sa vie entièrement au service communautaire. Et ma mère, elle est maintenant décédée il y a plusieurs ans. Mais les mots qu'elle m'a partagés, c'était donc peu importe où vous allez ou ce que vous faites, reste sûr que vous aidez toujours la société de n'importe quelle manière possible. Alors, c'est vraiment ma mère qui a souligné l'importance de communauté et d'aider la société pour moi et mon frère. Pour cette raison, c'est vraiment ma mère qui m'inspire et qui continue à m'inspirer. Et puis, je lui ai posé la nouvelle question rituelle de Canad'air. J'ai envie de te demander ce qui te rend optimiste pour demain, pour le futur. De mon côté, je suis vraiment honorée de travailler avec des gens qui sont vraiment créatifs, innovants et passionnants. Le but pour nous, c'est de voir que notre technologie soit utile pour la société. Et avec les projets qu'on a cette année, par exemple, on va lancer des projets pilotes avec des clients dans le secteur des produits nettoyage. Alors, ça va être vraiment super de voir nos ingrédients dans un contexte de formulation, dans un produit. Alors, c'est ça. Je pense qu'il me motive à chaque jour, c'est de travailler avec une si belle équipe et aussi de travailler ensemble vers un but commun. Et ça, c'est de vraiment utiliser nos technologies pour avancer l'innovation, la durabilité dans divers secteurs. Et c'est ainsi que s'achève le premier vol de Canad'Air, nouvelle version, tournée vers l'avenir et des solutions pour un monde plus durable. Merci Nivatha pour ton énergie et ton inspiration. En attendant notre prochaine rencontre, je vous propose de rester dans le ton. Cultivons notre jardin, comme dirait Voltaire, et Nivatha bien sûr. À bientôt!